Coucou à tous et bienvenue pour la grande finale des Hunger Games of Sims. Ils ne sont plus que deux, un homme et une femme. L'homme, c'est Dr Facilier, la femme, c'est Grimhilde. Et ils sont là et ils attendent que ça, de s'affronter pour savoir qui sera le meilleur des vilains du Disney, grâce aux Hunger Games d'Agent Shirley. Cette fois-ci, j'ai envie de changer mes habitudes et au lieu de faire 3 rounds sur une seule discipline, on va faire 3 rounds sur 3 disciplines différentes. Les échecs en premier round, c'est maintenant Facilier contre Grimhilde. C'est parti. Alors que l'orage fait rage de l'autre côté de ces murs, c'est pourtant pour leur vie et pour le titre de meilleur vilain qu'ils sont en train de s'affronter aux échecs. Lequel des deux fera échec et mat à son adversaire pour remporter la victoire de ce premier round. Grimhilde semble avoir une très grande facilité, alors que déjà les pions se raréfient sur le plateau. Chacun sa stratégie, impossible de savoir avec les pions qui sont sur le plateau qui gagne, parce que moi en échec c'est plutôt mat quoi. Ah, et c'est lui qui gagne ce premier jeu en tout cas, enfin il y a l'air. Ah mais non, finalement c'est elle. Attendez, attendez, de toute façon il y aura toujours le petit moodlet ou le petit encardé pour dire que c'est machin qui a gagné. Ne s'inquiétez pas. Make-Chate, c'est Make-Chate, c'est Make-Chate. Il a gagné la partie d'échecs, et oui, checkmate. Make-Chate, on s'en fout, on nous parle du Sims. Il a gagné cette première partie, ce premier round. Ça a été très rapide, on a à peine eu le temps de respirer. Et écoutez, moi je vais les emmener. En plus dans ce château, pour une fois qu'ils font la compétition dans ce château, il y a pas mal de petites choses. Et pourquoi pas faire une partie de la ma. Regardez-moi, ils s'asticotent les deux là. Mais ils ont le sourire. Bah c'est la finale hein, les enfants. Affûtez vos cerveaux pour gagner au lama. On peut essayer de faire une petite visite du château. Hein. Je vous rappelle qu'il a été fait par Simonionna. Simonionna, je crois. C'est parti pour la partie de lama. Pour l'instant, ils sont tous les deux en confiance. Ils y croient. Facilier, c'est facile pour lui. Sans mauvais jeu de mots. Effectivement, s'il gagne maintenant la deuxième partie de ces 3 rounds, il gagne quoi qu'il arrive. Mais on peut être surpris. J'espère qu'on le sera. Ce serait bien qu'elle égalise, comme ça il y a toujours un peu de suspense. Et ben voilà. Et ben on est d'accord. On est d'accord que là il a perdu, donc c'est elle qui a gagné. C'est génial, hein, le jeu il entend tout ce que je dis et il le fait en temps réel. Moi je dis il y a un petit espion dans mon ordi ou dans mon jeu. C'est bizarre. Alors même quand je râle comme ça, les Sims ils savent tout. Hein. Troisième round, on va le faire ici, il va y avoir un jeu de cartes. Pourquoi pas, on essaye, on fait marcher le cerveau et en même temps l'agilité. Dernier round, savoir qui sera le meilleur méchant et qui quittera l'aventure. Ce qui sera le dernier à mourir finalement de ces Hunger Games. Oh, elle a une carte avec une étoile. Je crois que lui aussi. Hein. Ouais, ça veut rien dire. Elle passe. Oh, encore une étoile. Elle passe encore. Oh, encore une étoile. Oh, elle a une étoile. Ah, il a une étoile. Mais il tire que des étoiles, en fait. Il tire que des étoiles. Qu'est-ce qui se passe? As des cartes gagne aux cartes. Attends, c'est déjà fini? Attendez, moi, je... Je suis pas sûre de understand tout ce qu'il faut, là. C'est fini, c'est pas fini, hein, c'est pas trop. Parce que le moodlet est là, hein, pour lui, hein, il gagne les cartes. Hein. Vous avez la réputation d'être un requin aux cartes ou alors un coquin. Un taquin? Qui sait? Alors, c'est elle qui a gagné ou c'est lui, là? Bah, ok. Il l'a eu en premier, mais comme elle l'a eu au final et qu'elle a été très contente, eh ben, on va continuer à faire... Oh! Babyfoot. Allez, petite partie de Babyfoot. Toi t'es trop nul le baby foot et moi je suis le meilleur. On va voir ça. Ah puis il y avait les fléchettes aussi ici au cas où voilà. Allez c'est parti. Là pour le coup ben, c'est de l'agilité, un peu de... Il faut de la vitesse, de concentration. Ok. Facilier se fait dominer. Le suspense est à son comble. La femme, l'homme... Mais arrête de danser! Pourquoi tu danses? Le mec, il est tellement sûr de lui. Et puis juste après, il perd. Voilà, franchement, non. Allez, Encore une balle. Elle a gagné la première manche, a priori. Ça veut pas dire qu'elle va gagner tout le match. Ils sont tous les deux confiants parce qu'ils ont gagné chacun leur tour. Ils ont tous les gagné aux cartes. L'un a gagné aux échecs, l'autre a gagné au lama. Suspense, suspense. Ah, elle a encore gagné. Ok, mec, je crois qu'elle te domine. Ah, il a rattrapé un point. Il a rattrapé un point, c'est pas encore fini pour l'instant. J'ai vu qu'il avait fait la roulette. C'est interdit les roulettes, hein. Moi je faisais que ça, mais je sais que c'est interdit à faire dans le règlement normalement du jeu. Faire la roulette, ça marche pas. On n'a pas le droit. C'est tellement tentant aussi de faire rouler le truc. Ça va. Aïe aïe aïe, je crois que Grimhilde mène la danse, hein, baby foot, hein, quand même. Hein. Faut te ressaisir, Facilier. Ah, il a regagné un point. Elle aime pas perdre du tout, c'est un truc de fou. Après, aucun n'aime perdre, mais je crois qu'elle est encore plus mauvaise. Ah, il a encore gagné un point. Il remet une balle. C'est pas encore fini. Je sais pas en combien de balles ils font ça. Hein. Ah, et elle a remarqué un point. Elle remet la balle. Et elle a regagné encore un point. Tu aimes les Simpsons? Non, c'est pas, je dirais pas ça. Et Grimhilde a battu le Dr Facilier 5-3. Grimhilde est donc la grande vainqueuse, la vaincrice de ces Hunger Games. Bravo Grimhilde. Regardez-moi ce sourire là, genre. C'est moi la peste. C'est dommage parce qu'elle avait aussi son CC sur mesure, mais il était complètement bugué en gameplay. Et monsieur Facilier, je vais devoir te tuer. Dommage, en plus t'avais les yeux violets mon gars. On voit bien le moodlet, hein, défaite cuisante, et puis elle a bien gagné au baby foot. Pour ce cher Dr Facilier, je me suis facilité les choses. Des distributeurs, il va acheter des distributeurs, il va acheter des trucs, on s'en fout, il achète des conneries. Le distributeur l'aplatira, en tout cas, je l'espère. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est une mort sympathique et qui est assez facile à faire. Rapide aussi quand ça marche. Ouais. Ah, c'est coincé. C'est pile ce qu'il nous fallait. Va secouer un petit peu. Secoue-le. Eh, secoue-le encore, mon gars. Il est pas tombé, ton truc. Vas-y. C'est descendu. J'ai entendu. Tu peux secouer encore. Moi, j'aime bien quand tu secoues. Quand tu secoues, tu le secoues bien. Il est toujours coincé, c'est vraiment pas de bol. J'ai entendu qu'il tombait, mais... C'est bon, il l'a récupéré. Ah, zut. Ah, c'est encore coincé. C'est encore coincé. Oh, génial, des chances en plus. Que ce soit coincé, on va prendre une carotte. C'est tellement sympa les carottes. Alors, tu vas me le secouer celui-là, secouer celui-là, secouer celui-là, secouer celui-là. Et reprendre une capsule simi. Ah, je peux pas les secouer tous, ouais, j'avoue. Allez. Purée. Il s'en sort? C'est pas juste! C'est pas juste! Tu l'as pas récupéré, donc tu retournes le secouer. Alors? Tu continues secouer. T'énerves un bon coup, t'inquiète pas, il n'y a personne qui va venir râler ce que tu secoues ton truc. Vu que c'est chez toi. C'est reçu. Ah, c'est dommage. Tu vas secouer ça pour les soupes. Perte de temps. Il l'a reçu. Quel dommage. Tu vas prendre des capsules simi, parce que je pense que c'est cool les capsules simi. Parce que quand ça... Il n'y a pas de choix à faire. Ça va plus vite pour moi. S'il faut dépenser les 38 000 simflouz, on les dépensera. Ah, c'est coincé. Yes. Ça se coince assez souvent d'ailleurs. Hein. Encore heureux, secouer ne fait pas forcément que des choses... voilà, ça ne va pas les tuer tout le temps. Reçu. Il est énergisé. Encore, vas-y. Encore, vas-y. Allez, tu m'en achètes plusieurs, là. Ah, c'est secoué. C'est secoué. C'est secoué, c'est coincé, je veux dire. Ok, bah, achète, achète. C'est pas grave, tu iras pas pisser, c'est pas un souci. De toute façon, t'es condamné. C'est à secouer. C'est coincé, on va secouer, on va se faire écraser. Si seulement, il savait. Bon, bah pour l'instant, ça fonctionne bien. Par contre, il a toujours des... Il a échappé pas, il est écrasé par un distributeur. Ouais, j'avoue. Ah, lui, il est grillé maintenant. C'est coincé, il faut secouer, il faut crever, écraser. Elle résiste cette machine. Putain, ça va pas du tout avec mes plans. Oh non, il est cassé. Allez, t'achètes les autres, c'est pas grave. Ah, il était coincé celui-là. Je viens de le réparer. Décidément, hein. Une petite encore. Allez, on secoue. Il grimpe plus par-dessus, là. C'est un peu dommage. En attendant, c'est un petit pipi dessus qu'il s'est fait. Voilà, une petite réussite aussi. Pour l'instant, on a une collection incroyable de Simi. Ah, bon, on va le réparer et on va le secouer. C'est la bonne, ça, non, Facilier? Pourquoi tu grimpes plus par-dessus? Ah, bah voilà! Il n'y avait pas eu la musique, hein, donc... Mais il meurt pas! C'est pas drôle aussi! Il y en a 3 qui sont cassés. Donc on va secouer. Si, ça y est! Ça y est! Ça y est! Oh purée, il aura fallu quand même attendre beaucoup de temps, hein. 30 simis. En plus, on peut même pas les donner. Ah, incroyable. Des cupcakes, des simis, en veux-tu, en voilà. Non, les simis, on peut même pas les donner. Ça, c'est des items qu'on peut même pas donner, quoi. J'aurais bien voulu qu'elle les ouvre. On aurait peut-être eu la collection complète. Mais regardez. Non, mais il dort. Non, ne soyez pas triste. Il dort. Il dort. Il a une très, très grosse couverture. Très lourde. Certes, elle est pas très chaude, mais il dort. Hein, madame Faucheuse? Il dort, hein. On est d'accord, hein. Oui, il dort. Allez, Faucheuse, emmène donc cette dernière âme. Et lui se remet comme par magie. Et sa tombe restera là, malheureusement, parce que, ben, on n'est pas sur le terrain avec les autres. Merci, Faucheuse. C'était sympa de te voir pour ce Hunger Games. On se donne rendez-vous pour le prochain. Oh, là, sa victoire triste, hein, la belle. Grimhilde. Mais c'est une victoire quand même, ma belle. Bravo à toi. Tu as gagné les Hunger Games spécial vilain. Bravo à elle. Bravo à toi. Bravo à vous d'avoir regardé ce petit délire jusqu'au bout. On se donne rendez-vous pour une prochaine saison, qui sait. Et puis, on se retrouve dans les commentaires. Et aussi dans les commentaires des autres vidéos. Gros bisous à vous. Le mot de la fin, c'est couronne. Ciao, ciao.